Et du côté de Privas, la préfecture de l'Ardèche, avec le président du conseil général Hervé Solignac. L'Ardèche est un des départements où il y a un fort suspense, hein, une bascule possible. En tout cas, est-ce que ce soir, monsieur Solignac, vous êtes satisfait du résultat du Parti socialiste et de la gauche en général dans ce département? Donc il peut y avoir des changements importants. Ce résultat va au-delà de ce que nous pouvions espérer, au-delà de ce qui avait été par ailleurs prévu par un certain nombre d'analystes, puisque sur 17 cantons que compte le département de l'Ardèche, 11 d'entre eux voient des candidats de gauche de la majorité départementale en tête ce soir. Donc si on pouvait considérer qu'il y avait il y a quelques semaines une bascule probable, moi je considère que dimanche prochain, très probablement, le Conseil général de l'Ardèche restera à gauche avec sa majorité départementale d'aujourd'hui. Ce qui serait un gros succès personnel pour vous ? Vous savez, quand on est élu, on n'est pas élu pour essayer d'engranger des succès personnels. C'est une aventure collective, tout ça. Toutes celles et ceux qui ont été candidats sous les couleurs de la majorité départementale ont parlé de l'Ardèche, ont parlé des Ardéchois, ont parlé de leurs ambitions pour ce département. Donc le succès personnel m'importe peu.